Le phénomène de retrait gonflement des sols argileux est un phénomène physique. Suite à des périodes de grande sécheresse, le sol a tendance à se contracter, à tasser, et en période très humide, à se saturer et à gonfler au contraire. Un peu comme une éponge, pour faire simple. Et donc ces variations de volume, qui sont vraiment propres à certains sols et à certains minéraux argileux, vont pouvoir engendrer des désordres sur les maisons d'habitation pavillonnaires pour l'essentiel. Avec le réchauffement climatique, les conséquences du retrait du gonflement des argiles deviennent de plus en plus importantes et induisent des coûts de plus en plus importants. Il y a effectivement des soucis et on a beaucoup de demandes chaque année d'indemnisation. Et on a un registre des personnes ayant des soucis de fissures, ils sont 80 sur la commune. La réparation, ça coûte beaucoup d'argent, ça engage les assurances et ça engage aussi des procédures qui sont souvent longues et compliquées. Aujourd'hui, le risque sécheresse, ça représente à peu près 350 à 400 millions d'euros en moyenne par an. C'est plusieurs milliers de dossiers de sinistres par an. Les premières projections de l'impact du changement climatique font état d'une augmentation de plus de 25% des coûts associés dès les années 2030 à 2050. Et on a tout intérêt à bien comprendre ces phénomènes-là pour anticiper au maximum. Le projet Viségéo a démarré au mois de janvier 2019 dans l'objectif de mettre en place cette gestion intégrée des risques de sécheresse. Effectivement, il n'existait pas de cartographie ou de connaissances prédictives de ce qui pouvait se produire. Ce qui nécessitait de monter un projet pour pouvoir anticiper ces phénomènes-là. On essaye de bâtir un modèle d'apprentissage par rapport aux 20 ou 30 ans de mémoire qu'on a en fait sur l'apparition des catastrophes naturelles sécheresses pour essayer de bâtir un système prédictif. Dans le cadre du projet, on a réservé un volet spécial qui est de l'instrumentation de site. On va poser des appareils pour mesurer justement ces fameuses variations de teneur en eau dans le sol et regarder comment le sol va se déformer en fonction de ces teneurs en eau. On a également un enregistrement des paramètres météorologiques. On aura aussi des informations sur l'impact des variations météo sur les variations du sol. L'idée, c'est de voir comment se comportent les argiles en fonction de la pluviométrie, de voir si le bâtiment qui est à proximité enregistre également, d'observer si on a des sinistres ou pas, et éventuellement, dans un second temps, proposer des solutions de confortement s'il y a lieu, en accord avec les communes. Pendant cette expérience, Géosec va étudier le sol par des mesures géophysiques qui nous permettront de faire une relation entre le phénomène météorologique et l'impact de ce phénomène sur le sol. Le projet va durer 2 ans. L'idée, c'est d'enregistrer en continu les paramètres au niveau des 2 sites choisis. Toutes ces données vont être recueillies sur une plateforme. Donc l'idée, c'est de voir si on arrive à anticiper, on pourrait envisager un communiqué d'alerte préventive concernant la sécheresse des argiles. Alors ici, on est dans la Vigie Predict, c'est-à-dire le centre à partir duquel se réalise l'ensemble des analyses sur les risques hydrométéorologiques qui permettent ensuite de diffuser des messages à un ensemble d'usagers présents sur les territoires qui sont menacés. Par analogie, effectivement, à ce qu'on fait pour le risque d'inondation ou le risque de submersion marine ou de tempête, le concept peut très bien être appliqué, et en particulier sur le risque de retrait et gonflement des argiles. L'intérêt de la plateforme Predict dans le cadre de Viségéo, c'est qu'elle va permettre de retranscrire des informations de modélisation, de simulation en fait, des dommages potentiels au bâtiment dans le temps, de manière à la disséminer. Ça peut être effectivement des informations par mail, ça peut être des informations par SMS, qui vont tous converger vers l'usager pour le sensibiliser à la menace et puis ensuite le sensibiliser à la nécessité de réaliser des actions opérationnelles sur ses propres biens immobiliers. Une des solutions serait l'injection de résine expansive ou le traitement des sols, des argiles, par cette technique-là. Une de ses caractéristiques principales, c'est qu'elle soit très très peu invasive. Puisqu'on injecte un liquide, donc on n'a pas besoin de gros forages. L'idée recherchée, c'est vraiment de stabiliser le sol.
Alors aujourd'hui, c'est exclusivement en curatif, mais le projet est là, c'est une innovation. On va prouver que l'injection de résine expansive peut être faite en préventif. Donc après, en termes de catalogue de mesures, le rôle de la végétation, c'est essentiel en fait. Il y a un pouvoir d'absorption d'eau par les racines qui est phénoménal, qu'on sous-estime beaucoup et qui peut venir s'aggraver en fait, hein, une sécheresse climatique pure. Donc la gestion des espaces verts, on va dire ça au sens large, hein. Après, il y a des mesures un petit peu plus contraignantes qui peuvent être la mise en place de géomembranes ou de trottoirs périphériques autour des fondations, hein. L'idée étant toujours d'essayer de limiter au maximum les variations de teneur en eau au niveau des fondations. Donc il y a un catalogue de mesures pour limiter l'impact du phénomène. Les intérêts, ce serait de suivre l'évolution, les propositions qu'on pourrait nous faire pour essayer ou d'enrayer ou de minimiser les impacts et peut-être prévenir les personnes quand il y a des risques de sécheresse un peu plus importants. Le fait déjà qu'on puisse avoir accès directement aux données qui vont être collectées, c'est important pour nous. Depuis 2018, le gouvernement a mis en place une carte d'exposition au phénomène de retrait-gonflement, une carte qui est imposée par la nouvelle loi Élan. Ce zonage-là permet d'avoir, commune par commune, l'état des sols et leur sensibilité au phénomène de retrait-gonflement. Une carte qui va pouvoir conditionner la construction de bâtiments dans certains secteurs à des études de sol, en fait, des études géotechniques, qui permettront de juger de l'importance ou non du phénomène de retrait-gonflement et pour les bâtiments neufs, être en mesure de mettre en place les mesures qui vont bien en fait pour s'affranchir du phénomène.